Bonjour, je suis Patricia du groupe Bessette et aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau Jeep Grand Cherokee L. Ce modèle que j'ai en démonstration ici, c'est le modèle Summit Reserve, donc le plus haut de gamme de la catégorie. Et dans cette vidéo, nous allons faire le tour de l'intérieur et de l'extérieur ensemble. Donc, le modèle vient avec les phares Adele. Les phares anti-brouillard sont Adele aussi sur ce modèle-là. La fameuse calandre 7 fentes qu'on retrouve toujours chez Jeep est toujours présente. Nous voyons une petite caméra ici à l'avant. Ça fait partie du package de caméras panoramiques. Donc, il y a plusieurs petites caméras comme ça tout le tour du véhicule. Les sensors dans le pare-choc, on les a en avant, en arrière, donc pour le Park Sense, qu'on appelle. Le véhicule est offert avec deux choix de moteurs, soit le V6 3.6 litres ou le V8 5.7 litres. Deux moteurs qui ont fait leur preuve chez Chrysler depuis de nombreuses années. Il vient de série, le Summit Reserve, avec des roues de 21 pouces, ainsi qu'une peinture deux tons, comme vous pouvez voir ici avec le toit noir. Le télédérouillage de proximité est de série sur les modèles Grand Cherokee L. Nous avons les longerons de toit qui sont prêts à accueillir des racks. Et c'est un modèle allongé comparativement à l'ancienne génération des Grand Cherokee, pouvant accueillir jusqu'à 7 passagers. À l'arrière du véhicule, on trouve l'échappement double, un hitch qui est caché derrière ce plastique ici, les fameux sensors de recul et le hayon main libre. Le modèle que je vous présente ici, c'est un 7 passagers. Donc, vous voyez la troisième rangée de sièges qui est ici. On peut la rabattre à l'aide de simples boutons sans forcer, vous donnant un coffre avec un volume exceptionnel. Ensuite, si on veut avoir encore plus d'espace, on peut ainsi rabattre la deuxième rangée. Assis à l'arrière du véhicule, vous allez apercevoir que les passagers arrière ont autant de confort que ceux en avant. Plusieurs options permettent de régler ce confort, tels les sièges ajustables avec les dossiers inclinables, un accoudoir ici en arrière et tout le système de chauffage et climatisation Prizone qui peut se contrôler de l'arrière du véhicule. Donc, nous avons la température des deux côtés. On peut allumer les sièges chauffants ainsi que les bancs refroidissants. Et le pare-soleil. Le siège du conducteur et du passager qui se règle électrique, avec même la partie assise qui s'allonge. Lorsque je vous ai parlé des sièges à position mémoire, ça comporte aussi le volant qui est électrique ajustable télescopique. Nous avons ici le régulateur de vitesse, adaptatif. Ici sont les boutons qui contrôlent ce qu'on voit dans le tableau de bord qui est ici. La grande console centrale ici comporte énormément de rangements. Ici, nous avons le tapis de recharge sans fil, ainsi que d'autres prises USB et USB-C. Une prise 12 volts aussi. La commande qui est ici, c'est ce qui règle la fameuse suspension à l'air qui est inclue dans le véhicule. Ici, nous voyons les modes 4 roues motrices différentes que nous avons, donc le sport, le automatique, le snow, le sand et le rock. Vous allez voir que lorsqu'on met le véhicule en mode rock, la suspension à l'air est en train de se régler automatiquement à la position la plus haute. Nous avons le 4 roues motrices à gamme basse, ainsi que les limitateurs de vitesse en descente. L'écran central du Grand Cherokee comporte énormément d'options. Donc, la climatisation se contrôle totalement par l'écran, mais nous avons aussi les boutons accès rapide ici. Donc, baisser ou monter la température, ainsi que l'intensité de la fan. Et comme nous avons vu sur les sièges arrière, siège chauffant, ventilé et même le volant chauffant. Lorsqu'on est dans la section confort, nous avons aussi option au fameux massage dont je vous ai parlé dans la porte tout à l'heure, ainsi que l'intensité. La navigation, Apple CarPlay ou Android Auto. Nous avons les options du toit panoramique ici, avec le pare-soleil. C'est ce qui conclut la présentation de notre tout nouveau Jeep Grand Cherokee L. Venez les voir sur place et les essayer, c'est à ne pas manquer. Disponible à deux endroits, chez Bessette Automobile à Cowansville et Granby Chrysler à Granby.